Honorable président de l'Assemblée générale, honorable congressiste et votant. Aboulkassem Chibri, archéologue marocain, spécialiste du patrimoine maroco-portugais et du patrimoine africain, restaurateur des monuments, directeur d'un centre de recherche au ministère de la Culture. Le leadership et les organisations mondiales me fascinent depuis que j'étais enfant adolescent au milieu des années 70. En entendant le nom d'Amadou Mokhtar Mbo à la tête de l'UNESCO, je sentais une fierté indescriptible. En grandissant, j'ai toujours eu l'envie de faire comme Mbo, Alal Sinassar, Mehdi Menjra et tant d'autres Africains et Arabes représentaient des régions qui ne sont pas souvent bien représentées dans les instances mondiales. Aujourd'hui, dans une position mondiale, à partir de ce point de l'Occident musulman, je veux porter dignement le message de dialogue et de partage d'un Orient qui fascine les esprits et d'une Afrique qui retient le souffle. Ma candidature, esquissée en quelques centaines de mots, c'est un programme d'envergure qui, capitalisant les acquis ICOMOS échafaudés par les fondateurs et nos prédécesseurs, tente, en concertation avec les collègues, d'apporter un nouveau souffle à ce bâtiment mondial. Je veux vivement participer à la mise en œuvre de l'âme d'ICOMOS, ses principes et orientations. Tous mes travaux sont dédiés à l'interculturel et, dans ma carrière académique et professionnelle, j'ai appréhendé l'histoire de l'humanité dans ses dimensions matérielles et immatérielles, culturelles et cultuelles. Mes travaux sur le Maroc africain et le monde lusitanien, du Brésil à l'Asie, m'ont gratifié d'une autre ouverture d'esprit. Mon programme se veut une contribution au développement des actions ICOMOS à l'international et au niveau local et à la diversification accrue des activités des comités en tant qu'association ouverte sur le large public, travaillant plus avec les écoles et les médias, développant des partenariats et stimulant le mécénat culturel. Je considère le patrimoine dans toutes ses composantes nationales et mondiales, urbaines et rurales, culturelles et naturelles. J'aimerais que l'ICOMOS incite davantage les décideurs à mettre le patrimoine au-devant de la locomotive du développement, étant une source économique de valeur inégalée. De ces remparts portugais, de style italien, en terre berbère, arabe, africaine, de cette terre foyer des rencontres des civilisations et reflétant l'ouverture sur le monde, j'ai l'insigne honneur de me présenter devant vous comme candidat à la vice-présidence d'ICOMOS International pour apprendre, partager et transmettre. Apprendre, puisque l'ICOMOS est une école. Partager les connaissances d'ICOMOS et mon expérience en tant que connaisseur du patrimoine depuis 30 ans. Transmettre et communiquer aux jeunes, femmes et hommes, l'espoir de faire mieux et de l'émancipation. Veuillez voter Chibri, je vous remercie.